On a sorti la peinture ce matin pour faire une petite activité d'automne. On avait ramassé plusieurs types de feuilles. Donc tout simplement, je lui demandais de repeindre les feuilles pour qu'on puisse faire des empreintes de feuilles. C'est-à-dire qu'on repeint une face et ensuite on va les déposer sur la feuille de ce côté, les retirer et avoir enfin l'empreinte sur la feuille. Partout, partout, il faut qu'on mette partout de la peinture. Comme ça, quand on la retourne, on aura bien l'empreinte de la feuille. Voilà, donc une fois qu'elle a recouverte la feuille morte de peinture, tiens, regarde, on va la poser. On va la poser et vas-y, tu vas appuyer dessus. Alors, tu poses le pinceau, tu vas appuyer dessus. Voilà. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, vas-y. Comme ça. Partout, partout, partout. Attends. Voilà. Et on soulève. Tadam! Donc là, bon, elle a mis un petit peu trop de peinture, je pense. Bon. Mais sinon, tout à l'heure, on l'avait fait avec une plus grosse feuille. Et le résultat était plus sympa. Le résultat était un petit peu plus sympa parce qu'on voyait bien la forme de la feuille. Voilà, donc choisissez bien les feuilles. Là, sur les petites feuilles, ça marche pas spécialement bien, je trouve. Sur celle-ci, ça marchait super bien.